Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Uncharted 4, j'espère que vous allez bien et que le dernier épisode vous a plu. Bon alors, c'est parti, la dernière fois on était arrêté, on avait retrouvé, attendez, oh non on l'avait déjà retrouvé la dernière fois, oh je sais plus. Bref, on devait prendre encore un autre ascenseur, un énième ascenseur, mais faut trouver pour l'instant le moyen d'y aller. Alors est-ce que je peux aller? Non. Alors pourquoi aller ici? Ah, très bonne question. Et donc, elle dit des choses, mais comme je n'entends pas. Ah ben voilà. Enfin, je sais pas vraiment ce que je fais là, pour vous dire la vérité. Il faut trouver le moyen. Oh, qu'est-ce qui se passe? Un trésor. Voilà, un cadenas. Comment on fait pour appeler l'ascenseur en fait? C'est la question que je me pose depuis tout à l'heure. Où est l'ascenseur? Non. C'était juste pour le trésor ici? Moi je redescends. Allez Nate. Ouais. Bon, mettons la voiture dans l'ascenseur. Hey, ah. Tu veux bien m'aider? Ah bah d'accord, il y avait rien à faire pour une fois. Bon c'est pas grave, on a trouvé un trésor. Ça c'est GG quand même. Ah merde! Je vais la tenir. Va chercher la voiture. Allez, va chercher. Attends, je soulève. Va chercher la voiture, on est bien. Oh là là. Ce talent. C'est lourd, c'est bien. Eh ben go. Mais je suis sûr que ça va pas bien se passer, comme d'habitude. Quand faut y aller. Les talents d'ingénieur de ces pirates sont remarquables. À ce décor paradisiaque. J'ai envie d'y être presque. Wow. C'était pas si dangereux. C'est vraiment paradisiaque. Ouais, Libertalia. Ce paysage à couper le souffle. Ces mercenaires et ces échanges de tirs. Savoir pourquoi t'as changé d'avis. Tu m'as dit que t'avais failli pas revenir. Ben, je pouvais quand même pas tourner les talons en te laissant dans un pétrin pareil. Puis je sais pas si tu te souviens, mais on a échangé des vœux. Pour le meilleur et pour le pire. C'est ça. Pour le meilleur et pour le pire. Et boude encore. Ouh là là là. Tiens, tu veux bien me donner un coup de main? Non, bah tu te débrouilles, hein, pour le meilleur et pour le pire, comme t'as dit tout à l'heure. Non mais oh. J'arrive. Super. Allez, go! En fait, même si tu penses agir dans le but de me protéger, en aucun cas ça te donne le droit de garder le car. Quel que soit le problème, tu es censé m'en parler pour qu'on essaie de trouver une solution, tous les deux. En équipe. Je sais très bien. Non, vraiment, c'est juste que... Tu sais quoi? Il faut qu'on reste concentré. On reparlera de tout ça plus tard. En espérant qu'il y ait un plus tard. Prochain arrêt, New Level. Il y avait des membres pour se taire, et là, je trouve que c'était le bon moment. Elle est là? Nate?
On est là, Sully. Où est-ce que t'es? Toujours en l'air. J'ai vu quelques véhicules de Jean-Lyne qui allaient vers le nord. On va sûrement pas tarder à nous voir. Ça va tous les deux jusque-là? On a eu quelques petits pépins, mais... jusqu'ici, on s'en sort bien. Oh, très bien. Tenez-moi au courant, ok? J'ai pas trop le proverbe, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Et on fera de notre mieux. Terminé. Ouais, donc je disais, il y a des moments pour se taire, là je trouve que c'était vraiment le bon moment. Ok, bon, ça devait être de l'autre côté du pont. Parce que la visite était vraiment trop cool. Oh non! Oh non, 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 non! Non! Oh merde! C'est du tour, on ne pas sur les chutes! Je peux pas, le courant est trop fort! Oh non! Le grappin! Le grappin! Wouhou! Très bien! Ça va nickel! Allez, j'arrive! On balance. Oh, allez, hop là! Je te tiens! Eh ben tant pis pour la voiture. C'est ça. Allez. C'était pas pour te protéger tout ça. Mais tu sais, je t'avais fait la promesse que j'allais arrêter ce genre de folie. T'étais pas tout seul? Ouais, mais moi, je l'ai pas tenu. Si je t'en ai pas parlé, c'est parce que... je crois que j'avais peur. T'avais peur de quoi? Peur de te perdre. Je crois bien que j'essayais de me protéger. Tu comprends? On a encore pas mal de chemin à faire. Ouais. Il faut avancer. Ouais. Ah là là, les confidences. Bon, on a perdu notre véhicule, donc du coup... fin. Bah, fin des moments de voiture qui étaient un petit peu, pas forcément ennuyeux, parce que là, le petit moment avec la petite musique où on se disait, oh là là, bah, au moins on est du bon c'est émouvant, et c'était beau. C'est sûr, ça aurait compliqué les choses. Wouhou! Bon, j'imagine qu'on doit aller à contre-courant. À contre-courant! Ouais, quoi ça? Ça glisse! Bon, vu qu'elle nous suit pas, j'imagine que c'est pas par là qu'il faut aller. Ah si, c'est bon. Quoi? Bien vu. Bon, comment on monte là-haut? Très bonne question, mon petit Nathan. Ah, elle a trouvé la solution. Elle est plus douée que toi, mon petit Nathan. Avery a vraiment choisi une île magnifique. Si tu veux, on peut revenir y passer quelques jours en ces quatre. Ouais, pourquoi pas. Ah bah voilà. Heureusement il y a toujours ces petits moments où, la bordure est blanche. Comme si des milliards de personnes avaient été passées par là. Comment t'as fait toi? Mais d'accord, mais pourquoi j'étais par là et s'il y avait rien? Bon, bah, je vais la suivre, hein. Elle m'a l'air beaucoup plus douée que moi. C'est beau? Non. Voilà, je suis là. Ah d'accord. Elle est juste montée en haut pour se la péter, c'est ça? Ok. Comment je fais là? J'essaie de sauter jusqu'à là-bas. Et c'est bon là! Voilà. Easy! Comment elle a fait elle? Allez, saute! Saute, Elena! Fais-nous voir comment t'es fort. Ok, elle est vraiment beaucoup plus forte que moi. Y a pas de souci là-dessus. Bon bah voilà. Heureusement tous les chemins mènent à Rome dans le jeu. Hein. Et maintenant... hop là. C'est le moment
des escalades de l'enfer. Enfin non, mais... Enfin, vous imaginez si vous êtes à sa place, quoi. Ça va vraiment être l'enfer. Surtout de tenir avec ses petites mains, là. Mais dans sa malchance, il a de la chance, parce qu'il y a toujours un chemin. Et en plus, il y a des petites bordures blanches. Donc c'est pas de la chance, ça. Ouah. Bonjour. Oula. Oh. À en juger par leurs vêtements, c'est des colons. Est-ce qu'ils se sont battus? Non, j'ai pas l'impression. Regarde comment ils sont disposés. Ouais, t'as raison. Ils sont empilés, ou simplement poussés contre les murs. Ils étaient déjà morts quand on les a amenés ici. Je crois que c'est une fosse commune. Mais... Ah ouais, quand même. Bon, y a toujours un mystère ici, hein. Qui ça peut bien être? Regarde le panneau. Traître. C'est un des rebelles. C'est plutôt atroce comme mort. Carrément. Traitor. Quoi? Ah oui, non. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire de traître? Ça ne me plaît pas beaucoup. Et hop. Bon, j'imagine qu'il faut juste sur le bord du machin que je m'accroche au traître. Mais non, mais... Je m'accroche au traître, j'ai dit. Hein? Désolé, je voulais pas te manquer de respect. T'inquiète pas, c'est un traître. Hey! Ouais, je te zute parce que je connais bien les histoires de téléportation, là. Ça me plaît pas beaucoup. Bon, on y va. Ah, le pont est là. Nickel. Regardez. Il y a encore une bataille ici. Non, c'est pas vrai. C'est une façon comme une autre de mater une rébellion. Je me demande si c'était ça le plan. Quoi? D'assassiner tous les colons? Non. De les attirer ici en leur promettant mon énergie. Pour ensuite pouvoir leur voler tout ce qu'ils avaient. Bah, tu sais, c'était quand même des pirates, hein? Ouais. Même pour des pirates, c'est quand même le summum de la cruauté. Ok, on a un New Devon. Ah! Un petit trésor là-bas qui me fait de l'œil. Donc je vais y aller. Et hop! Ah, encore un magnifique trésor. Alors, par où on passe? Parce que bien entendu, la porte va être bloquée, hein. On va quand même y aller, mais bon. On va la zioter. On va devoir passer par-dessus. Odie mecum eris in paradiso. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, rejoins-moi au paradis. Tu parles d'un paradis? J'avoue, ça donne pas vraiment envie. Donc on passe par où, nous? Ah, attendez, on peut grimper là, donc j'imagine qu'il y a des choses à faire. Hop. Bon, tu vas arrêter de lire tous les panneaux, toi? Là! J'ai juste besoin d'un coup de main. Allez, monte. Ensuite, on va aller... Il le sent. Sois prudente. C'est super stable. On fait de la plateforme. Désolé de te déranger, vieux. Désolé de te déranger. Oh oh. Excuse-moi. Voilà. Oh, ça c'est tout. Quoi? Elle a trouvé une meilleure... Ah non. Elle passe par ailleurs, elle. C'est pas bête. Ouah, j'y pensais pas, ça. Voilà. Et on pose. Et voilà. Devon. New Devon. Allez. Waouh. Bienvenue dans le quartier d'Avry. C'est un bel endroit. Si on exclut les légers problèmes de façade et les dégâts des eaux. C'est vrai qu'il y a eu un petit souci avec l'évacuation. Une belle opportunité, mais avec des travaux à prévoir. Alors, voyons voir.
Apparemment, quelqu'un a fait sauter le barrage et tout s'est retrouvé inondé. Tu sais, j'avais oublié. T'es doué à ce jeu-là. Bon, alors d'après toi, laquelle est celle d'Avery ? Je miserai tout sur celle-là. Celle qui est encore intacte. Oh. Toi aussi, t'es doué à ce jeu-là. Ah ouais, tu sais, j'étais sur le terrain, j'ai lu quelques bouquins. Merde, Nate. Quoi ? Quoi ? La porte d'entrée. Sam. Il est encore en vie. Ouais, pour l'instant. Allez, viens. Donc faut aller jusque là-bas. Ça va être encore long, cette histoire. Ouais. Allez, hop. Et on plonge dans l'eau. Et on peut aller, carrément aller sous l'eau. Alors ouais. On est bien, on est pas bien là tous les deux. Ce petit lagon. Bon, j'imagine de toute façon qu'il faut qu'on aille sous l'eau. Parce que il me semble qu'il n'y a pas vraiment de chemin. J'ai vérifié mais j'en doute. Ah si, peut-être par là. Mais je suis sûr qu'il y a un truc dans l'eau. Allez, on va dans l'eau. Allô. Allô, allô, allô. Quoi? Oh, ça va. T'es pas resté longtemps sous l'eau quand même. Bon, on va aller passer par là. Ah, voilà. J'ai trouvé. Viens, copine. C'est bon, j'ai trouvé le chemin. Enfin, je crois. Oui. Oula, j'ai toussé. Je vais tousser. Je vais essayer de pas tousser. Je vais faire un effort. Rien que pour vous. Est-ce que tu peux monter directement? Non. Wow. Saute pas. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ouais. Ah bah voilà. Je vous dis que ça allait bien se passer. Elle est où elle? Elle va se retrouver derrière moi. Ah elle est là. Ah bah son, faut que je suis obligé de l'attendre. Ah non, pas du tout. Attention à la tête. Attention à la teuté. Gros. Eh ben, quelqu'un lui en voulait à ce type. Wow. Encore un. Quel don. C'est quoi ce petit mot? Fondateur condamn. Je sais pas s'il y a un haut fait d'avoir récupéré beaucoup de trucs. J'ai un doute. Ça m'étonnerait. Mais on sait jamais. Non, alors si vous vous posez la question, est-ce que j'ai platiné le jeu? La réponse est non. Je ne vais pas avoir tous les hauts faits. Clairement pas. Pas les hauts faits, les trophées. Voilà, c'est comme ça qu'on dit en langage PS4. Enfin, PlayStation tout court. Youpi. Moi, j'aime pas quand il y a des hautes herbes. Elena, baisse-toi. Quand on est d'autres herbes, ça veut dire ça sent là, ça sent le pâté. Ok, vous avez sûrement dû remarquer, il y a une petite ellipse simplement parce qu'on m'a téléphoné. Et devinez quoi? Bah l'ellipse, ça a pas duré 30 secondes. Il y a eu plusieurs heures entre ce qui se passe maintenant et ce que vous avez vu tout à l'heure. Ouais, bon, pour moi, pour vous, ça c'est un fragment de seconde. Vous comprenez à peine ce que je dis. Ils sont comme d'habitude en même temps, mais. En tout cas, moi du coup là je sais même pas combien de temps l'épisode a duré. Donc on va faire cette petite phase de gunfight et après on s'arrêtera là. Donc du coup si l'épisode est un petit peu trop court, ne m'en voulez pas trop. Ce n'est pas de ma volonté. Salut! Alors on fait une pause? Brah! Eh ouais mon gars. On va essayer donc de faire... Oui, je suis un peu essoufflé parce que j'ai juste recommencé. Bon, je vais pas vous raconter ma vie mais... Je fais pas mal de trucs. Alors, hop. Oula, non, tu m'as fait peur, toi. Petite coquine. Du coup, je suis essoufflé comme eux. Voilà, c'est du RP. Sauf que moi, il faut que je parle en même temps. Oh. Y'a des gens là qui peuvent me voir? Normalement, non. Hein? Hein?
Attention! 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 Bah alors, tu retournes? On se retourne? C'est maintenant. Maintenant ou jamais! Voilà, j'ai voulu faire une petite roulade pour le plaisir. Oh! Ça, c'est l'arme one shoot. Ça me plaît beaucoup. Quoi? Mais qui m'a vu? Mais non, mais. Mais tu sors d'où, toi, mon gars? Ah! Mais non! Alors, je me suis fait avoir par quelqu'un que je n'ai pas vu, bien entendu. C'est pas rigolo. Donc, lui va se retourner. C'est le moment de prouver que je suis super fort sans faire de roulade cette fois. Alors, il y a l'arme parfaite. Ah, il était peut-être là-haut. Il était là-haut, le coquin. Attention! Attention! Salut! Bra! Alors, on avait un bandana? Bon, tant pis. Tant pis pour la subtilité. Quoi? On me tire dessus, je sais jamais d'où. Ah, salut toi. Ouah! Mais qui me tire dessus? Qui? Je m'en vais. Adieu. Vous ne m'aurez jamais. Vous savez pas où je suis. Parce que je suis là. Ok, ici au moins je suis à l'abri, j'en suis sûr. On va pas venir m'embêter. Y'a personne par là? Ah si, y'a des gens aussi là. À l'attaque! Hein? Ils ont rien vu, ils ont rien vu, ils ont rien vu, ils ont rien vu! Hein? Jamais! Oula, lance-patate! Ça me plaît pas mal. Ok. Ils m'ont reperdu. Donc, je suis encore le patron de l'immédi... Voilà! Hop là. T'as cru voir quelque chose? C'est ton imagination! Bra! Attention... Ça ne se passera pas comme ça. Vas-y, saute, ouais. C'est bien! Allez hop, je t'ai tapé dans le mur invisible. Je dois aller où moi après, parce qu'au pire je peux partir. Hein. Je regarde. Hein. Aucune idée. Oh! Non, tu m'as pas vu! Ah! Non, 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 non! Non, non, non! Ah oui, c'est vrai, j'ai ça! Allez, mourez! La roulade! Le cachage! Cachage! Le décès! Ainsi qu'un autre décès! Wouhou! T'as cru que t'avais le monopole du. Du lance-patate? Mais qui? Mais non! Voilà! Je t'ai eu, mon gars! Il va mort l'autre? Mais qu'est-ce que tu fais devant? Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris une pause? J'ai même pas compris ce qu'il a fait. Il est décédé ou quoi? Ouais, il y en a d'autres! Ouh. Alors? Bon, je suis bien content d'avoir pris finalement le. La vache. Le viseur automatique. C'est bon, ça va? Le sniper. Ouais. C'est ça, hein? Ouais, je vais pouvoir one-shooter un ou deux, ça va faire bien plaisir. Ah, des munitions. Je dis oui. J'en ai 15, j'ai pouvoir en tuer 15 bien gentiment. Easy. Et ben voilà. Ça mérite d'y jeter un œil. Je suis sûr qu'on aurait pu y aller sans qu'il nous aperçoit. Il veut jeter un œil où en fait? J'ai pas entendu, j'étais en train de causer. Hey, j'ai gagné, Elena, t'es fier de moi? Je suis sûr que t'es fier de moi. Allez, dis-le que t'es fier! T'es pas sympa, hein. T'es pas une fille drôle. Ah! Une grotte. C'était ça qu'il fallait que j'aille te jeter un œil. Ah, j'aurais clairement pu partir pendant qu'il me voyait pas. Mais comme je savais pas où aller, j'ai pas bougé. Alors, bonjour. Une grotte! Saute! Wouhou! Ah, une belle petite grotte. Allez hop, sous l'eau!
C'est typiquement le truc que je supporterais pas de faire dans la vraie vie. J'aurais trop peur de me noyer. La noyade, je crois que c'est la pire mort qui existe. Tu sens bien partir. Bref. Assez de discours morbides. Waouh, le petit effet de lumière. Il y a un haut de lumière, vite. Oh, le soleil, oui, le soleil. Bon, on va quand même regarder ce qu'il y a au bout. Quoi? Tu pourrais pas allumer ta lampe torche, mon petit Nathan? Ah, ok. Le halo de lumière, certes. Et attention! Et voilà! Allez, Elena, à toi de jouer. Oh, on est pas loin. On s'est bien rapproché quand même. Et ben, vous savez quoi? Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que, comme vous l'ai dit la dernière fois, je sais même pas combien de temps l'épisode va durer. Bon, si il est court, excusez-moi, hein, il y a eu une pause d'une heure. Un peu même plus que ça. Donc, je vous fais des bisous. Hein. Le petit j'aime, petit commentaire si cet épisode vous a plu. Et comme d'hab, de vous abonner et partager si vraiment vous avez envie de me faire plaisir. Attention. Allez, je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao.